l'influence de la religion hellénique s'étend de plus en plus dans les terres lointaines. Aujourd'hui, une grande guerre sainte a été déclarée pour prendre le royaume de l'Aquitaine. De son côté, Kyo doit affronter bon nombre de révoltes par rapport aux dernières guerres qu'il a perdues. Sparte continue son extension en prenant l'Aquitaine et en préparant sa prochaine guerre contre la Germanie. Maintenant, arriveront-ils à convertir tous ces nouveaux territoires? Et survivront-ils encore quelques années? Ou même pourront-ils enfin reprendre Rome? Vous le verrez dans cet épisode. Hey, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Kyo. Abonnez-vous à la chaîne de Favali, hein, pas la mienne, hein, juste la chaîne de Favali. N'hésitez pas, c'est la fin de l'épisode, ça? Non, c'est pas encore la fin de l'épisode. Je suis là. L'impérateur d'Imperiatus, d'Athéna, Ringomirus, est là. Méletios III, blessé, évidemment. Mais avec le sourire, parce que j'ai 11 ans et un jour je vais réussir à atteindre l'âge adulte, j'espère. Et avoir enfin un héritier pour que je puisse reprendre l'aventure à 3 ans et refaire et me refaire bolosser par tous mes vassaux. Tout va bien se passer. Et je suis accompagné de la reine de Sparte, la despote Akatherine. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Alors c'est bon, nous dans le dernier épisode, nous allons lancer une guerre contre l'Aquitaine, on a déjà commencé, et on a enfin réformé le gouvernement, et du coup maintenant ce ne sera que les femmes qui vont hériter du royaume de Sparte, car les hommes ils ont un peu détruit le royaume, je te rappelle, en début de Let's Play, quand quand le dernier roi a un peu perdu le royaume en partant dans une guerre de libération. Donc c'était le despote Gerasimos. Voilà, c'était ton grand-père actuellement, il me semble. C'est ton grand-père, il me semble. Oui. Et du coup, voilà. Les femmes gouvernent Sparte, tandis que l'empereur essaye de gouverner ce qui reste de l'Empire byzantin, de l'Athéna Empirus, et tout va bien se passer. On peut mettre la lecture si tu veux. Après, c'est à moitié Amazon parce que elle a le trait de caractère Amazon. Ah. Elles l'ont tous à peu près. Ça, c'est bien ça. Sa fille héritière, bon, elle est juste robuste et génie. Mais ça, pareil. Amazon intelligente. Ça te fout. C'est souhaitable. Alors, de ce compte, tu vas faire quoi, Kyo, cette game? Non? Survivre. Survivre et continuer à. Et. Continuer. À survivre. C'est ça. Ouais, c'est un bon plan. M'appeler à cicatriser, bah voilà, je ne suis plus blessé. Survivre, c'est un bon plan, ouais. Oui. C'est pas donné à tout le monde de survivre dans ce monde de brut. Alors, brave, zélé ou calme? Je pense que je vais prendre brave. Brave, c'est bien. Zélus. Il y a 1200 hommes qui arrivent là-bas. J'ai 13 000 hommes quand même, ça devrait faire. Attends, pause. 13 000 hommes. J'évalue mes chances. Hein. On a quand même un gars à 29 et un 28. Hein. Ouais, c'est quand même chaud. Ouais, j'ai pas d'argent pour embaucher de mercenaires. Ouais, et l'ordre sacré, je ne peux pas l'embaucher, ils sont déjà embauchés. Je vais continuer à. Je sais pas. Mince, j'aurais pas dû l'embaucher alors. Non, t'inquiète, tu vas. C'est juste qu'en fait ils défendent dans les montagnes, donc je me fais avoir. Je vais repartir à ma capitale. Ah mais tu peux pas embaucher l'ordre sacré de toute façon vu que c'est une guerre de ta même religion. Ah non, c'est d'orthodoxe. Oui. Oh, si, j'ai embauché mes ordres sacrés. Ok, on a des gens orthodoxes encore dans le royaume, dans l'Empire, dans l'Imperium, Athéna. Comment est-ce possible? Bah c'est parce qu'en fait mon père avait perdu une guerre et... Ah là là. Pour Kyo. Perdre une guerre. Un empereur tel que lui. Quel déshonneur. Eh oui. Le Kyo Imperium n'est-il pas invincible? Il l'est, mais
pas quand ça commence à devenir un peu compliqué. On va réduire un petit peu les dépenses, je pense. J'arrive, je mets la pause vite fait. Au niveau de la magnificence de la course, ça se passe comment actuellement? Baisser un peu. Hein. On n'a pas besoin de toutes ces furnitures, hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà, les logements, c'est pas grave. Les logements, c'est pas grave. Carrément, ils arrivent à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'Imperium Athéna arrive à un niveau où ils ne peuvent même plus financer la nourriture. C'est pas de la nourriture, c'est du luxe. Ah, nous, luxe. On se contente de ce que peut nous apporter nos terres fertiles. Mais d'une bonne manière. Bien sûr, bien sûr. L'Impérator Athéna avoue d'être pauvre. Alors... je sais pas si tu as vu l'état de mon compte en banque actuellement, mais bon. Attends, dis donc, c'est con. Moins 6, ah non, il y a juste 6, d'accord. 6 d'argent, et tu gagnes 0,0. Voilà. C'est déjà bien pour un empereur, quand même. C'est un bon début, tu vois. Je n'ai pas à être en déficit, comparé à le dernier épisode avec les moins 900. Exact. Voilà. Il suffisait juste de faire un peu attention à ses dépenses de cours. Économiques. Exactement. C'est tellement la dèche. Allez, zou. Let's go. J'espère que je vais aller défoncer cette fois-ci les méchants garçons. Les méchants. Et les méchants. Et qui est gentil? Oui, c'est les méchants et moi, c'est gentil. Allez, voilà, let's go. La bataille. Oui. Oui, on gagne. Ah non, on prend le plus de terrain, c'est vrai que on passe comme dans du beurre. Vous avez l'expression. Tu sais que jamais tu seras pardonné. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tant de haine? Ah voilà, je commence à regagner un peu d'argent. Voilà, tu rationnes les troupes, s'il te plaît. Non, j'espère que ça se passe bien chez vous, la vie, ces histoires, chez les viewers, et chez toi aussi, Fabali. Hein, oh, les viewers, ils vont bien. T'inquiète pas. Je suis sûr qu'ils sont heureux. Baron contrarié. Ah, tu es contrarié. Ah, c'est dommage. Je suis contrarié. Ah non, mais c'est parce que tu es un mauvais maréchal, ok, c'est pour ça. C'est quoi? Ah, c'est le jeu qui me l'a dit, hein, c'était pas moi. Moi, je suis très content de tes services. Moi. Hop, on y va. On a bataille tous les soldats Sparte. Ils arrivent petit à petit, en fait, on envoie 700 par 700, vu que c'est drôle. Faire semblant qu'on perd. C'est ça. On a déjà 99 de score de guerre. Poisson d'or, non mais jamais je fais ça. Tant pis s'il y a des trous dans les frames. Ah bah oui, t'as beau être inquiet mon ami, mais bon, il faudrait que tu sois un peu plus inquiet pour moi que ça quand même. Je prends pas compte de ce que je subis actuellement. C'est bien beau d'être inquiet, mais c'est pas son inquiétude qui va m'apporter la quiété dans mes la quiété dans mes terres. La quiété. Enfin la tranquillité, la quiétude, voilà, c'est plutôt ça. Mais bon, bientôt. La bataille en plus. Il y a même des batailles au pif. Bon, ce territoire est nôtre. Pause. Waouh, ah ouais, la guerre a été vite. Hein. Holy shit. Waouh, superbe. Je commence déjà à convertir. Ah oui, ah monsieur va vite, hein. C'est bien. Ah, on va donner des domaines, bizarrement. Ah ouais.
Bah écoute, si tu veux me passer des domaines. Ah, je sais pas si c'est possible. Non, je plaisante. Mais. Je sais même pas si on peut transférer des domaines à son seigneur lui, genre. Un truc que j'ai tellement jamais fait de ma vie. Voilà. Accordé à d'autres personnes, blablabla. À qui d'autre? Attends, dans ma famille. Ah, je peux usurper le royaume du roi d'Aquitaine. Ça me coûte 500 balles. Je pourrais devenir le roi Non, d'Aquitaine. arrête. J'ai pas l'argent. Si tu Heureusement. veux être rassuré, je n'ai pas l'argent. Ils ont pris un petit territoire. Ah non, c'est bon, ils n'ont rien pris. Déjà, ce ne sont que les gens de ma famille. Bientôt, j'aurai une famille. Moi aussi. Toi, tu as déjà une famille. Ah, c'est bon, t'as une héritière. 69 ans. Je crois que t'es bientôt et t'es encore en santé correcte. Hein. Je crois que c'était Barbara, c'est ça? Ouais. Barbara de Athènes est mort à 71 ans. Hein. Tu vas vivre plus longtemps que Barbara. C'est quand même assez sympa pour le préciser. Alors, le Poitou qui s'appelle Poitiers. Poitiers. C'est comme ça. Il est où? Il est même pas à ma cour. C'est incroyable, j'ai les enfants de ma famille qui sont même pas à ma cour. Elles sont même pas de ma famille, ces gens, d'accord. Ok, j'ai la moitié de mes enfants qui sont pas de ma famille. C'est un peu mauvais, ça. En tant qu'il reste grec, ça me va. Y'a qui d'autre? Tiens, je t'accorde ça. Et là, il y a 3 tonnes de terrain, c'est incroyable. Santé correcte, quoi, c'est fou. Vous n'avez rien, vous. Comté 2000 euros. Oh non, t'as donné un comté à ta femme. Oh non. Quoi? T'as donné un comté à ma fiancée. Ma fiancée, c'est ma fille. Bah oui, mais. Et alors? J'ai pas demandé de donner à mes enfants? C'est quoi 5? Bah oui, mais le problème c'est que du coup elle va pas pouvoir m'assister à ma cour. Et bah tu changes de femme. Bah non. Ah non, comme ça. Désolé, mais t'es, en tant qu'allié, t'es jamais venu. Je C'est bon, on suis peut enlever la paix. jamais venu, mais on n'est même pas alliés. Voilà, c'est pour ça que t'es jamais venu, en fait. Dis comme ça, voilà. Pourquoi t'es jamais venu? C'est pour ça. Je me bats pour qu'on préserve la puissance de notre. De Nation. notre empire, et toi tu me fous un coup de couteau dans le dos comme ça. La conversion, ça va être short. Hein. En plus, niveau Je culturel, là, il va falloir. Attends, tu peux promouvoir l'acceptation culturelle? Tu peux m'aider? bah oui. Oui, Tu bah penses que je oui. fais quoi? Comment? Bah oui, bah oui. Bon, Et bien tiens, si comme je suis ça en te train de va? manger en même temps, tout va bien. Pourquoi t'as mis pause aussi? En Occitane, c'est ça? Ouais. Ok. Acceptation culturelle occitane. Voilà. Mais pourquoi tu veux acceptation culturelle? C'est quoi Parce que l'Occitane? autrement, non, parce que là, les paysans vont se rebeller en fait. Et plus la situation est élevée, plus c'est Non! simple de convertir. Non, tu veux convertir directement culturellement? Je sais pas. D'accord. Mais bon, ça, c'est un argent, c'est des impôts en moins chez moi, quoi. Bon, d'accord, ok, on convertit directement. Voilà, 3 ans. Non, en vrai, j'ai commencé, j'ai gardé l'acceptation culturelle. Bon, on fait quoi? Acceptation culturelle ou... En fait, si on fait l'acceptation culturelle, ça va augmenter la culture et du coup, les gens sont plus faciles à convertir ou même il y aura moins de problèmes de religion parce que, ou même mais surtout de problèmes de paysans. Regarde, là, les paysans sont déjà. Alors, moins 66 d'opinion. Acceptation culturelle, moins 15. Le faveur helléniste comparé aux catholiques, moins 51. Oui, on n'est qu'à 57 de faveur helléniste. Quoi ça? Non, 75.
J'arrive, j'ai des choses à faire, je viens de mettre des gens en prison. Il enferme des gens. Ça s'appelle un tyran, tu vois. Bah, des gens qui se sont rebellés contre moi. Tu vois, mon fils. D'où ils ont osé se rebeller contre moi? Les gens qui se rebellent sont des tyrans. Voilà. Voilà. Elle. Elle t'a un comté, s'il a moi. Toi, t'avais un comté. Un duché en plus. Oh, bien. Merci. Toi. Je prends. Alors, c'est une guerre Et catholique de toi. fou qui arrive, c'est normal. Pas Parce de que quand même, soucis. vu le terrain, quoi. Ah, je vais pouvoir enfin faire des trucs bien avec mes gars. Voilà. Et comme ça, on bute tout le monde. On exécute en masse les prisonniers. Est-ce que j'ai des gars hélénites? Ouais, j'ai des gars hélénites. On va rançonner les gars d'abord. Non, on va pas Renseignez-les les rançonner. tous. Elle est héléniste, ça peut sortir. Mais sinon, tout le reste va se faire buter. Savagement. De manière savagique. Bon, alors, maintenant, il faut que je répartisse tout ça. Bénévent, c'est où ça? Si, si. Ça fait partie de tel duché. Je risque de prendre un petit peu de temps. Ça fait partie d'un duché Qu'est-ce qu'il fait normal. encore? Je vais Qu'est-ce qu'il juste fait, Kyo? prendre C'est quoi moi. ça? Mais attends, mais j'ai pas de frères et sœurs. Ah si, quand même, j'ai Y a une pas de tante. Oui, frères et mais j'ai sœurs une en tante. plus. Ah mais non, mais mince alors. Bon, j'ai pas de famille, donc je vais. Il a même pas de famille en plus. J'ai même pas de famille. Ah, je peux donner des titres à ma mère. Oh, ah mais oui. Ah mais c'est trop une bonne idée. Et je fais ça. Oui, bah c'est que je fais tout le temps, il faut toujours faire ça. Par contre, je donne pas salaire, non. Faut pas déconner. 500 d'or pour usurper. Ça, je donne. En fait, je vais donner tous les titres à ma mère. C'est elle qui va gérer tout. Donne, Kyo, Voilà. donne. N'oublie pas Maman. de reprendre. Maman. C'est hyper creepy. Voilà. Et je garde ça. Ou alors je garde le truc à côté de Salerne, le territoire qui avait l'air pas trop mal, Le Bénévent. truc. Bénévent, c'est bien de garder Bénévent. Y a rien qui va, quoi. Même pas la bonne culture, ni la bonne religion. Parce que je comptais donner Salerne, non mais il faut pas déconner. Le mec, il parle même pas la langue. Le mec, il se prend une guerre sainte. Les gens, ils viennent de l'autre bout du monde. Ils ont même pas la bonne culture ni religion. Ils parlent pas la langue. Ils comprennent rien. C'est les paysans. Tous les paysans français, quoi. Ils vont C'est se rebeller. ça. Ils vont dire, on comprend rien. Ah voilà. Allez, je vais convertir cet endroit. Ils viennent de l'autre bout du monde, quoi. Voilà. Et comme ça, ma maman, elle est faite. Quoi? Ma maman possède la moitié de mon territoire dorénavant. Mais c'est ma maman, donc ça va. Ouais. Et quand elle meurt, comment tu fais la même chose après, hein, avec un autre fils? Bah oui, puisque je vais. De toute façon, je vais mourir très vite, donc. Ah, tu vas mourir Allez. là! Bah évidemment que je vais mourir. Ça s'est toujours passé comme ça chez moi. Oh ouais, une faction dangereuse encore. C'est quoi, c'est Des quoi? catholiques franconiennes. Ah bah Et tiens, bah c'est un peu bah. normal ça, ça je pense savoir pourquoi. Bizarrement! Bizarrement, t'as intérêt de m'aider avec celle-là. T'inquiète! Ils sont combien? Ils sont combien de pourcents? Ils sont Vénère! beaucoup. Voilà, à peu près. C'est un peu normal, je t'avais dit que les paysans ils étaient. Il y a une grande chance que les paysans ne comprennent pas tout ce qui se passe. D'un seul coup, il y a un seigneur de je sais pas d'où qui vient leur dire bonjour. Bonjour, vous êtes bienvenue dans le nouveau Apparator Athéna. Alors, vous avez parlé ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Je vois pas du tout de quoi tu veux Déjà, ils savent pas lire et écrire les paysans, les glandus là-bas. parler. Bon, tu vois des Spartiates qui arrivent, qui squattent, qui disent ceci est notre territoire. Et on est en Aquitaine, monsieur. Bah oui, bah l'Aquitaine, ça nous. On est bien d'accord. Commander un artefact. Négocier une alliance avec ma mère, oui, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. T'as compris. Beaucoup de troupes, hein. 1700, elle peut arriver.
Eh Bon, ben mais écoute. t'as aucune pitié, tu l'as mis comtesse, alors que t'aurais pu la mettre duchesse au moins. Mais ça coûte de l'argent. Ah oh, le gros radin. Ça coûte de l'argent, ça se voit. Mais ça Mais coûte pourquoi de j'ai l'argent. pas ma redoutabilité qui a augmenté? J'ai assassiné tout le monde dans mes donjons. C'est peut-être pour ça aussi. Je suis pas quelqu'un de redoutable quand même, j'ai exécuté tout le monde. J'ai fait toi, tu meurs et tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Ok, d'accord. Ah, je suis pas blessé, nickel. Tant mieux. Dans 2 mois, hein, les 250% de. Difficulté à écrire. 250%. Je ne sais pas écrire. C'est rien tout ça. Ah là, les mecs qui se rebellent. La prochaine fois, super. J'ai 13 ans. J'ai 13 J'ai des ans. difficultés à écrire et j'ai des domaines de prédilection singuliers. Tiens, arranger un mariage, ça te dirait pas que ce soit. Non, entre toi. Toi et. C'est bon. Ah, Non, je je vais peux pas avoir te besoin de marier. mon argent. Vous la trouverez dans la mort, la liberté! Allez, zou. La C'est liberté dans la parti, mort. pause. Voilà. Bon, t'as intérêt de venir. Ah oui! Je suis bien là. Je suis Ok, bien là, t'inquiète. nickel. Bon. Attends. Comment je fais pour cliquer et rejoindre ta guerre? Révolte paysanne, proposer de rejoindre. Voilà. Bon, parfait. T'as intérêt de venir. T'es déjà embauché les ordres sacrés? Non, j'ai pas embauché d'ordre sacré, c'est quelqu'un d'autre qui est derrière. Mais c'est qui encore ce paysan là? Ce gueux encore, mais. Par le doux. Lui il se casse déjà, voilà. Fait, mais attends, sacré. C'est moi qui l'ai créé, alors tu te débrouilles. Bon, 10 000 hommes, ce sera largement suffisant. C'est parti pour aller défoncer du Du français. PU. Allez, on défonce les Français et puis. Eh bien, c'est pas du tout pris à la conclusion, ce qui peut Non, arriver. rien du tout. Alors, évidemment. Après, c'est pas des Français, c'est des Aquiténois. Voilà. On n'a jamais dit que c'était en France. On n'a pas précisé quoi. Voilà. Ouais, tout, c'est Du pas coup, la ils sont France. combien? Ouais, ils sont 21 000. Oh, c'est rien ça. J'ai des jets sans son Pas qui plus me. que la fête de hier soir. Non, mais par contre, il y en a qui vont déjà réussir à prendre des territoires, donc ils vont gonfler en fait. Faut qu'on les mate vite en fait. Ils seront Parce que matés. là, par exemple, ceux qui sont 6 000 là, 7 000, le problème c'est que dès qu'ils vont prendre du territoire, ils vont être plus. Bah ouais. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ouais, je sais. Mais j'arrive, hein. Je vois que ça commence à puer un peu chez toi. J'arrive. Oh putain. J'arrive. Secours. Ouais, 40 jours. Tiens, 40 jours. Esquive, 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 zigzag. Ok, On nickel. a les 10 troupes là, Let's go. fais attention, Jackie. Tourne, Let's tourne. go, let's go. En avant. En avant, bien Kyo, grand. rassemblement. Oui, bah, rassemblement dans la bataille. Hein. Let's go. Moi, je m'en vais. J'y vais, moi. On se reverra à la bataille. On se reverra en enfer. Baston. Baston. On se verra à la sortie du collège, quoi. Non. Et voilà le travail, let's go, boy. Et voilà. Non mais puis quoi encore, les gars? Tu peux devenir mon commandant, s'il te plaît, TTFA. De qui? Ouais, parfait, ils sont tous convertis, ces pouilleux, bientôt. Ça commence avec la vitesse de conversion, regarde. Ça fait même pas 2 ans qu'on a pris le royaume. Ah, ça c'est bien ça. Mais c'est aussi tes comptes qui gèrent un peu à ce niveau-là Mes aussi. comptes, regarde. Regarde qui est compte. Toute ma famille. Là, c'est toute ma famille qui a le compteur. Ben c'est bien. C'est que des gens de ma famille.
Bon, sauf certains qui sont un peu... Ils sont une dynastie, mais bon. Mais quand même. Ouais, j'ai une rencontre de paix. La guerre sainte, la guerre sainte, la guerre sainte. Il va falloir commencer à envisager d'envahir des trucs. Je vais le sauver. Je le sauve ou je le Oui, tue? je sauve les gens. Oui, c'est bien ça. J'aime bien cette bataille. Mince, j'avais une option pour augmenter mon érudition. Mince, j'avais une option pour détruire Kyo avec son érudition. Pèlerinage dans 7 ans. J'ai quel âge? Vieille. Ok. Guerre de quoi? Guerre de libération. Je peux usurper le royaume d'Aquitaine si tu le veux. Mais arrête avec ton royaume d'Aquitaine, tu vas enfin, arrêter avec ce royaume Non, mais si d'Aquitaine. tu veux, je dis, je te demande pas. Ça sert à quoi? À part Bah, créer plus t'aurais de le royaume problèmes. d'Aquitaine. Mais de toute façon, il va être créé quand même le royaume d'Aquitaine. Autant que tu puisses récupérer les 50% du. Ok, là on remonte toutes les troupes. Dis-moi, j'attends que tu me le dises, qu'est-ce qu'on fait? On Bah a. déjà, là, je suis en guerre contre le duché de Arméniac. Cause du chien. D'accord, carrément, monsieur, il prend des vieux duchés. En fait, ce qu'il faudrait qu'on continue à faire, c'est qu'on reconquérir On peut faire une les guerre territoires sainte. de l'Empire. Et là, vu tous les vassaux qu'on a, vous pourrez me penser à tous les vassaux à côté, quoi. Maintenant, on a plein de vassaux, alors qu'au début, on avait presque personne. Mais on est à 76% de faveur. Et Est-ce que tu penses que c'est... Est-ce que tu penses que ça passe, le 76 de faveur, pour déclarer une grande guerre sainte? oh, ça passe. Est-ce que tu serais pas encore trop impatient? On refait Évidemment, une guerre je... sainte pour prendre enfin le royaume alors de Taer. Ça te dirait pas? Ou sinon faire contre les Mulhadites pour prendre un Guerre bout. déclarée pour le duché de Bretagne. Voilà. Ah carrément. Sinon on prend l'Espagne. On pourrait tenter de prendre l'Espagne, hein, les Mulhadites. Ça pourrait être rigolo, effectivement. Les guerres, purée. La menace nordique, bah ouais, hein, pas Menace Iras, tu nordique. Tu as rien compris, c'était menace nordique, mais bon, on est en Grèce, hein, mais comme la menace nordique. Hein. Bah, regarde l'état de la Bretagne. La Bretagne, quand même, est chez nous. Il faut toujours prendre la Bretagne. Bah Bien. oui, mais du coup, les Nordiques, ils nous cassent la figure en Bretagne. Invocation du compte machin, invocation de l'autre compte, invocation de machin. J'ai l'impression d'avoir rien foutu dans ces 3 épisodes, c'est marrant. En même temps, j'ai pas été aidé, hein. J'ai envie de dire. Quoi? 500 hommes. Oh, mais non, mais ça va jamais suffire. Allez, venez. Oh, du favorisme chez moi, jamais. Quarante-cinq d'impôts supplémentaires. Enfin, une bonne nouvelle. Dark Orink. Super, Ah j'arrive ouais, sur puis le live. la faction du peuple catholique occitane, elle va encore nous tomber dessus dans un mois. Ah mais c'est rien, ils vont arriver tout le temps. Tant que t'as pas donné à quelqu'un. Tant qu'ils sont pas tous convertis, couilleux. Hop, Landok, il est passé. On est bientôt rayonnant. Allez, il faut être rayonnant les mecs. Point de prestige, je crée le royaume d'Aquitaine. Voilà, je veux me marier avec ma femme, on est bien d'accord. Alors, 400 de prestige pour 500 d'or. Alors que là, une 300 de prestige, là c'est plus rentable, l'argent crée un duché, désolé, mais là, avec une Bon, faction par contre, paysanne. faudra que tu t'occupes de l'Aquitaine. T'inquiète. Je pensais que monsieur gérait. Bah, je gère ce que je peux, c'est surtout ça le problème.
Je peux pas avoir tout et pouvoir. Je peux pas tout gérer d'un coup comme ça. C'est juste pas Il n'y a possible. pas de pays, le pays tombe en ruine à chaque fois qu'il y a des guerres. Les guerres catholiques tous les 6 mois, quoi. Tous les 2 mois. Tout ça. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il va embaucher? Mais le doux machin là, il arrête avec son embauchement de mercenaires là. Et quoi? C'est pour une guerre de quoi? Plus de guerriers, n'importe quoi. Bon, moi, est-ce que je suis marié avec ma femme? Ok, je suis marié. On va la séduire tout de suite. Hein. Non, on va pas la séduire. On va séduire nos vassaux qui nous aiment On va pas. séduire nos femmes. Hop, on va récupérer tous les Moins 100 titres. entre duchés, pourquoi? Attends, j'ai quoi comme duché? Trop de duchés, j'en ai 6! Pardon, il faut absolument que je règle ça. Ah, C'est et quoi ce aussi dans duché? quelques temps, ça veut dire dans... Ah bah c'est bon, maintenant. Dans... Juste après cette guerre-là, je déclenche la guerre pour la Bavière et je prends toute la Bavière entière. Ok. C'est vrai en plus. Oh, purée. Clairement. Alors, il y a d'autres catholiques peut-être, hein. Oh, la vitesse de conversion, c'est incroyable. Et le dernier duché que je dois donner, c'est le duché des îles Égées. Ok. Voilà, nickel. Ok. Et Hey, Kyo, j'ai trop de duchés encore. donne. Thessalie, Chypre. Ah, il faut que je donne Chypre aussi. Chypre, ça va être à toi. Donne, Kyo, donne. Cet empereur. Qu'est-ce qu'il fait encore? Voilà, nickel. C'est une guerre pourquoi? Ah, mais pour un duché, pour un mec qui attaque pour un duché, c'est quoi cet empereur? Bah, écoute. Attends, le mec est déjà. Ah, t'es illustre, attends, c'est bon. Ah, bah, avec tout ce que je me prends dans la figure, au bout d'un moment, j'apprécie, tu vois. Un peu de reconnaissance. Alors, négocier une alliance. Rejoindre la guerre, révolte paysanne, on peut pas. Hey, enlève la pause! Comment ça, tu peux pas? Mais c'est pas grave. Et je peux quand même, vu qu'ils sont à côté dans sur mon territoire, de toute façon. Enlève cette pause! Attends que je sois prêt. J'arrive. Guerre. De là, t'es à peine impatient, à peine, vraiment. Il faut la guerre. Non mais regarde-moi ça quoi. C'est quoi cette... Voilà, c'est parti. Oh mon Dieu, une alliance avec toi, je n'aurais jamais espéré. Ah oui, c'est bon, je suis dans la guerre. Ah non, pas grave. Kyo, ils sont un peu nombreux. Kyo, tu peux pas sortir des Oui, troupes je... juste à côté là, juste à côté de mon armée. Alors, La flemme. j'arrive. J'ai 72 ans, 72, 72 ans, mais enfin, bien sûr, ouais. Ouais. Et mon œil aussi. j'ai 11 mois de montage de troupes là. À faire. Bah, le seigneur, tu vas voir ce que je vais lui donner, ton seigneur. Moi, qu'est-ce qu'on a? Organiser un banquet pour le faire. On a vu déjà tout ce qu'on a, c'est bon. 3 tonnes de thunes. Ah, oui, d'accord, 800 hommes, ouais, c'est bien ça. C'est l'armée de l'Empire, ça. Bah, ça monte. Petit à petit, ça monte. Je sais pas qui fait déjà les Qu'est-ce que tu demandes veux au faire pif pour voir comment ça fait en fait de côté. Je sais maintenant? pas ce à quoi ça sert, mais bon, on verra bien. C'est quoi ça? Aucune idée. Développement urbain, hein. Ça donne quoi comme bonus si tu le fais? Voter sous son... Tu peux C'est votre refuser, hein, mais bon. responsabilité. Ouais, j'ai refusé. Ça te donnait quoi comme bonus et comme malus? Ça a donné de la dynastie de nos deux côtés, de la renommée. Ok, c'est bon, j'ai un hameçon contre lui. Hop, je peux reprendre le trône. Capreux. Là c'est bien là. C'est bon, j'ai un hameçon contre lui. Ah. T'as un hameçon contre moi? Voilà, j'ai revocation sur le trône. Parfait. Juste parce Je qu'il a sais pas ce que refusé. j'ai lu, moi. Moi il y a 3 tonnes de paysans qui pop. Kyo, aide-moi.
J'arrive, j'ai 10 000 Non, mais t'as hommes. 10 000 hommes là, tu t'arrêtes, c'est bon, voilà, tu les sors et tu pars au champ de bataille. Voilà, j'ai 10 000 hommes. Je viens de les lever, les 10 000 hommes. Voilà. Ces Athéniens là. Ils sont Ah, 5 000. Yo, ils super là. massacrent! Ils me tapent! Super. Kyo! J'arrive. J'arrive. Non, tu ne viendras pas. Kyo ne viendra pas. Je suis juste à Nous sommes plus que côté, 300. Ah, on est putain. 400. On est plus que 314. Ah, c'est bon. Voilà. Ben voilà, tu vois quand je te dis que j'arrive, bordel. La dernière minute, quoi, un peu. Jésus. Ma mère est morte, hein, désolé. Il Oh va non! falloir que Mais non, mais pourquoi tu lui as tout donné aussi? Elle avait 2 ans à vivre. Elle avait que 2 ans à vivre. Je pense à ça, quoi. j'en peux plus de ce jeu, purée. Elle n'avait que 2 ans à vivre. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, d'accord, oui, tu es plus jeune, ok, merci. Merci. Merci, toi. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai toujours aucune. Et puis en plus, ma femme me trompe. Elle est ivrogne. Elle est enceinte de pas moi. Mais qu'est-ce que ça fout là? Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. C'est pas Guerre de ma guerre. revendication contre l'impératrice. Oh là 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 là. Au secours, allez. Ok. Bon. Je veux donner tout ça. J'en peux plus. Donne tout, donne tout, donne tout. Mais donne à n'importe qui, c'est pas grave, ça a rien changé. Voilà, ça, c'est plus à moi. Voilà, Bon, au bah moins nous on toi, prend toute la Bavière, toute la Germanie. tu. D'accord. Très bien, ça, c'est ton problème maintenant. Tu peux venir avec tout? On va bien s'amuser. Ouais, j'en doute pas, j'en doute. On s'amuse tous les jours. Allez. Clin d'œil, clin Tiens, d'œil. aussi le duché de qui concerne de Duration, qui me fait turbo chier. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi dans ma vie là Peut-être actuellement? agrandir le royaume. T'es mignon, Favali. Tu es très mignon. Un peu chiant, mais très mignon. Merci. Voilà. Hop là, on y va. Ça, c'est réglé. Ensuite, ici, j'ai Chios, un Je comté qui suis me fait toujours ton chier. héritière, hein, c'est incroyable. Mais oui, mais évidemment que t'es mon héritière. Je n'ai rien, je ne possède rien. J'ai ma vassale ici, je peux lui Comme accorder c'est ses mignon. titres. Comme c'est mignon. Ce duché, c'est à toi, comme ça tu m'aimes, hein. Voilà. Ensuite, voilà ce truc là, Césarée et ces conneries là, je les accordais à quelqu'un qui m'aime pas. Ah, mais tout le monde commence à m'aimer. Attends, mais c'est pas possible. Oui, tout le monde Est-ce qu'il y t'adore. aurait-il une Tu donnes à rétention? n'importe qui, c'est bon, allez hop. La guerre. La guerre. Ça prendra le temps que ça prendra. Bon, t'as 10 Sinon. sur 10. Allez hop. Voilà, tout va bien. Voilà, Ok. je range ça, je mets le petit truc. C'est bon. Ça. Après, je prends ce machin. Voilà. Ça, j'exécute. J'exécute l'ordre 66. Voilà. Voilà. Ensuite, j'évacue le stress. J'évacue. Le gars qui. T'avais dit la guerre, c'est ça, hein? Oui, la J'ai pas compris. guerre! Bisous. Merci. Nous sommes en guerre. Et nous allons partir. Alors, maintenant, hop. Ah, du prestige. L'hommage. Poyonne de Glumnum. En fait, tout le monde me rend hommage, c'est incroyable. C'est bien ça. Il y a un signe qu'on t'aime dans ton royaume, dans ton empire. Ouais. Pas comme moi qui n'a pas de dommage actuellement. Je suis ton vassal, n'oublie pas, et peut-être un jour j'oserai ma liberté. Hein. Peut-être. Un jour. C'est pas quelque chose à dire à ton empereur, hein, ça. Oh, c'est pas grave tout ça. Prototype, généralement, les revendications comme ça, c'est pas très apprécié. Surtout quand je me tue fer et ongles à défendre tes territoires. Quoi? Défendre quoi? Quoi? C'est pas ton Attends, j'ai territoire. quand même participé sur tes deux guerres Ah, de révolte théoriquement, française. t'es chef religieux. Du coup, tu dois défendre au moins les gens qui sont en guerre contre ta religion.
fou, théoriquement, j'ai Et rien. je suis aussi empereur. Et Et il bim. faut que je jongle entre les deux, tu vois. Tu es chef religieux J'ai en France. énormément de responsabilités actuelles. Ah, bien sûr, responsabilité. Mot inconnu Exactement. pour Kyo. Et j'avais 3 ans quand ces responsabilités sont tombées sur moi. Hein. Trois ans, j'adore ça. Je tiens J'avais quand trois même ans à à la l'époque. rappeler. À l'époque, j'avais 3 ans. Devenu prêtre, chaman, empereur et rabbin. Tout ça la même journée. Parti loin. J'espère que j'aurai. J'arrive jamais à retenir ton titre de chef de la foi, c'est trop long quoi. C'est quoi déjà? Ouais, c'est grand prêtre quoi. Ah oui. Wow, qu'est-ce que c'est long? Mais j'arrive pas à retenir. Ah, c'est quoi déjà? Attends. Ah, c'est grand prêtre. Non, rien. Grand prêtre. C'est quoi déjà? C'est grand Bacillus. Petit D'accord? prêtre. Voilà. Je me suis trompé. Petit prêtre. Exactement. Alors, comment assiéger une forteresse? Étape 1. Les emprisonner. Étape 2. Rester autour et regarder. Étape 3. Prendre le territoire. Un jour, je réussirai à être tranquille. Un jour viendra, la tranquillité sera de mise. C'est dans mon territoire. Ah la vache. Et où sont sa capitale? Ah d'accord, elle est très très loin sa capitale. Hein. Ok, bon, je vais pouvoir commencer à bosser. Eh bien, 40 minutes, c'est la fin de l'épisode. Ah parfait. Je vais pouvoir commencer à jouer au jeu. Encore la Bastille. Attends, mais ta fille là, elle me. Je vais la. Je Je veux ma la. Je fille. la. Ta fille, elle est vraiment, mais. Ah je sais. J'ai On est une bien éduqués dans la moustache. famille. Hein. Oui, elle va tromper son mari. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une très bonne éducation. T'inquiète. Non, oui, je m'inquiète. Hein, je vais avoir des enfants quand même. Toi Mais aussi? je vais avoir des vrais enfants de moi, tu vois. En ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'à part être obèse et ivrogne, ma femme là. T'inquiète. Je suis désolé. Comment ça se passe, la culture maintenant? Il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. D'accord. Tu fais quoi, les remparts? Ok. T'as combien de prestige? J'ai pas de prestige, j'ai 4 minutes de prestige. Tu pourrais pas. Bah, Non, je c'est ne pas ce peux que je voulais pas. dire. C'est quoi Je ne déjà? peux jamais, je ne peux rien faire. Faire évoluer la culture en mettant, je sais pas, un principe. Le principe que je rajouterai, ce sera par l'épée et ça coûte 7000 balles, je crois. Par Et par l'épée, l'épée, ça va ma être plus fort. volonté. Par l'épée, c'est guerre, c'est ça? Bon, peu importe, mais c'est bien. C'est par l'épée que se fera ma volonté. C'est pas ça? Bah, c'est par l'épée, quoi. Enfin, oui, je prends à moi. Je peux remettre en prison des gens. Des révoltés que j'ai envie de Vous êtes en ligne, j'ai massacrer. emprisonné votre fils. Quoi? Alors en même temps, tu. Voilà, tes fils là en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, J'ai mais. trop de personnes. Ah oui, mais de toute façon, c'est que des gens de ma famille, alors si t'as emprisonné des gens, c'est un peu normal. Alors, révoquer le titre, rançonner. Rançonner, non, mais si je fais négocier la libération et que j'exige sa conversion, c'est Oh, bien j'ai ça. trop d'enfants. Elle a 6 enfants. Bon, c'est bon, on a de la place pour avoir des nouveaux comptes. Alors, celui-là, on le rançonne. Alors, Non. Nico, lui. Ah, je peux pas. N'est pas le vassal direct. Ok, bon, je vais le rançonner Génie, tout. génie, génie, génie. Les rites du temple. Révoquée non plus, elle va mourir, c'est pas grave. Et puis tout le monde peut mourir, et puis ça ira très Déshérité. Lui sera aussi déshérité. Déshérité. tranquille. Je suis tranquille, c'est bon.
Je ne pensais pas pouvoir dire ça. Oh là, ils vont trop vite avec leurs troupes. Ah, c'est bon. On les prend. Donc tu voulais qu'on fasse quoi, déjà? Déshériter. Ah, je voulais rien, hein. Je voulais juste regarder. Ah si, je fais une guerre sainte. Enfin, c'est toi qui vois. Hein. La grande guerre sainte, je peux pas la déclarer, là, encore. La grande guerre sainte, d'accord. Mais tu peux faire une guerre sainte de royaume. Ah bah, une guerre sainte de royaume, c'est bien, ça. La France. Contre la France. Oui, une guerre sainte de royaume pour la France. Ah oui, donc tu veux que je perde ma guerre de royaume pour pouvoir faire en sorte que tu sois indépendant après. Bah, j'ai quand même eu idée à te mettre au trône, non? Oui. Au début du let's play. Je t'ai soutenu dans tout ce que tu as voulu faire. J'ai aidé dans plusieurs guerres. D'accord. Non mais t'inquiète, je le ferai une autre fois. Bon alors, tu fais une guerre de royaume, pourquoi alors? L'Italie? Ah, l'Italie, ça pourrait être bien. J'avoue que si on veut faire l'objectif de toute la Méditerranée, l'Italie, ça peut être sympa. Mmh. En plus, l'Italie, là, en ce moment, ils sont un petit peu dans le mal. Mmh. Ça peut être la bonne idée. Où on peut attaquer le pape, par exemple. Mmh. On peut réattaquer le pape, tu vois. On pourrait. Ça verra quoi d'attaquer le pape si on a... n'arrive pas à le battre, je crois. Bah, de l'avoir attaqué. Et tu vois, en plus, il est en train de se ruiner. Ah oui, il se ruine comment? Il se ruine... Non, mais m'écoute pas. Le pape, là, il a 2000 balles. Il est fort. Il est fort. Oui, oui. Ouais. Et l'argent, quand même, ça va avec lui. Hein. Oui, c'est clair. Il est modéré, quoi. Il n'a pas besoin de grand chose pour vivre, toi, le pape. Ça nomme bien. Non, mais en vrai, les Omeyades, ils sont forts ou pas? Oui, quand même. 14 000 hommes, ouais, effectivement, ils sont forts. Et les Abbassides, ils ont plus que 18 000 hommes. J'aimerais bien que son territoire explose, quand même. Explose, mais qui au pape? Non, à la Bastille. Sinon, on continue avec un. Antalion, allez. C'est bien, Antalion. Continuer de remettre en place les territoires, là. Et de toute façon, j'ai toute ma vie encore pour déclencher ma guerre sainte. La vache, pas ça. Oh mon dieu, j'ai un fils, un vrai fils. Un vrai? Pour de vrai? Mon vrai à moi. Mon vrai fils à moi. Alors que l'héritier du joueur, c'est toujours la princesse qui a un linage contesté. Que je vais m'empêcher de déshériter. M'empêcher. M'empêcher. Prêchons. M'empresser. Prêchons, Seigneur. Voilà. Hop. Oui, bien, vas-y. Et... Ah, ça coûte cher. Ces gens sont vraiment chiants avec leurs soldats. Bon, on va améliorer le score de guerre en bataille. Voilà. Tatane. Ce sera déjà bien mieux. Je veux posséder quelque chose de vraiment unique. Qu'est cette chose? Ma dignité. D'accord. Content pour toi. Non, toi, ça va. Ouais, ça va. C'est toi. Et qui voilà, ça va. Ouais, en fait, ça va. Oh, t'inquiète. Ouais, ça va. Exactement. Et la fin? Alors, ouais, ça va. Ensuite,
Ensuite, la Valachie, hein, va falloir un jour hein, qu'on s'occupe de la Valachie. Je bosse un petit peu quand même. Hein. Ah, Histoire avec de. l'ambition. Histoire qu'on dise que, tu vois. Histoire qu'on dise que j'ai fait quelque chose durant cette session de record. Ouais. On va se mettre ici. On va continuer à rationner le soldat. Alors, accorder l'audience, commander un artefact, oui, allez, zou. Des troupes rationnées. Ça. C'est des troupes. Il me faudrait une couronne sympa. Tu connais pas quelqu'un avec une couronne sympa? Non, connais pas. Et hop, intendance. On peut le faire, on peut le faire. On l'aura. Je l'aurai. Ouais, voilà, la Valachie, au revoir, quoi. C'est comme ça que ça se passait. Encore? Non, mais au bout d'un moment, ma femme va falloir arrêter d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs. Non, mais c'est quoi cette femme que tu m'as refilée, quoi? Bah, c'est genre de famille, hein, c'est comme ça. Allez, Zou, je dévoile les secrets. Oh Je suis là fatigué. là! Et en plus, je prends le truc. J'ai pas de niveau dévotion, moi? Non. Yo, je reviendrai. J'emprisonne ma femme, c'est parti. C'est bon, j'emprisonne Kyo. C'est parti. J'emprisonne Kyo, ça tourne mal. Je peux faire chanter, c'est trop rigolo. Chanter quoi? Quelle chanson? C'est une sais pas. chanson. J'ai perdu du Qu'est-ce que temps. je peux faire? Okyo avait. Torturer! C'est pas une bonne idée de faire ça. Vraiment, c'est dramatique, quoi. C'est ça C'est avec ma le femme, avec ma fille. Je suis. Mais non, mais drame. relâche-la au moins. Arrête, divorce réellement et arrête. Je la rends seule, hein, tant pis. Je peux imposer le divorce si tu veux. Ça te Oui, va? bah déjà, je la rends seule. Ensuite. Non, tu renseignes pas, pas. Voilà. Ah, mais c'est toi qui. Ah, t'as. Bah oui, Voilà, mais. ça c'est fait. Tu l'as Ça aussi, emprisonnée? c'est fait maintenant. Attends, parce que du coup, j'ai un secret contre elle. Elle. Je vais dévoiler son secret. Alors là, ça, c'est vilain. Ben non, mais il faut bien que tout le monde le sache. Le monde sache quoi? Que c'est. Que qu'elle est. Quel est? Qu'elle est infidèle! Ouais, infidèle, ouais. Alors bon, je vais me trouver une meilleure femme. Alors, Permet. il n'y a qu'une seule chose à faire si on veut régler ce problème. Alors, guerre. Pourquoi je peux même pas faire une guerre de libération, c'est quoi ça? Prétendance. On peut pas de guerre de libération, d'accord. Guerre d'indépendance, il y a déjà un mec qui l'a lancé dedans. Hop, c'est quoi si je rejoins? Donc à 37%. Mais Ah pose, putain. Kyo. Mais pose, mon pauvre Kyo. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vient de récupérer la Bavière. On a la Bavière. Oh putain, encore des. Encore des païens. Encore des territoires, non mais. Ils sont même pas à ma cour, ces enfants. Attends, elle est où, elle? J'ai des enfants, mais ils sont pas à ma cour. Ils sont où, mais les enfants, ils sont. Qu'est-ce qu'ils font là? Attends. Kyo, tu peux me passer la comtesse comté de Béonite, qui t'est Ça. légitime directement à côté. Une comté de Bénite, où Ou sinon, ça? j'ai tout simplement révoqué le titre de ma fille au temple de Boudounista. Attends, qui c'est qui a ça? C'est Ma qui a ça? fille est dans Celle et avec laquelle sous j'étais la marié, c'est tutelle de ça? la comtesse de Béotique. Béotie. Ah, juste en haut d'Athènes, juste en haut, tu vois. La princesse Sergia de Sparte? Ah, ok. Voilà. Et Est-ce que tu veux que tu je fasse quoi peux avec elle? révoquer son titre? Est-ce que tu as une chance? Bah certainement, elle m'aime bien, mais c'est tyrannique de faire ça. S'il te plaît. Pense Ce que je vais à mes faire, enfants. c'est que je vais transférer le vassal. Pense.
Ah, tu me transfères la salle, pas si tu préfères, mais ça a changé. C'est toi qui décides. C'est toi qui va appliquer la tyrannie et pas moi. Je suis Transfert. pas un homme tyrannique. D'accord. Mais pourquoi la Lotharingie est en guerre contre nous? Parfait, maintenant ils sont chez moi. C'est glandu. Alors elle récupère un titre. Lui. Je préfère autant faire maintenant ça pour pas qu'il y ait après de guerre, qu'il y ait moins de révolte, quoi. Oui, vas-y, prends ton temps. Bah, en fait, on peut même considérer que c'est la fin de l'épisode, en Oui, c'est fait, la du fin de coup. l'épisode, t'inquiète. Bon, bah voilà, c'est la fin de l'épisode, les gars. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés. Non, pas du tout. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. On avait découvert les remparts ou pas? Pas encore. Il nous reste 15 ans. Pendant ce temps-là, pendant que Favali fait ses trucs, hein, l'Empire Abbaside est toujours aussi fort. Il faudrait qu'on les assassine. Santé mauvaise, je commençais à assassiner. Ça pourrait être bien que ça parte. Acceptation. On va faire des trucs hein, sympathiques, tout ça. Donc, par contre, lui, il va mourir. Hein. 68 ans, il est Voilà. copte. Hop. C'est bon, ils sont tous convertis, à peu près. Bon, il y a certains qui sont même pas notre religion, mais bon. Voilà. D'autres qui Et vont le dernier. partir dans notre monde. Et voilà, on va arrêter cet épisode là-dessus. Je te laisse faire Ouais, la nickel. fin, la croche de fin. Et pendant ce temps-là, le royaume de U est toujours fort. Hein. De U, il est Et... où? Bah, tout à droite. Ah Le oui, royaume de U. C'est beau, U. t'as Alors, l'air. je sais pas comment on prononce le nom de ce royaume, U. mais j'aime bien. Bon, voilà, on recommence à reprendre du poil de la bête. Mon Dieu, c'était très. Comment dire? Compliqué. C'était très compliqué. Voilà, hein, je suis mort et je suis de nouveau là. D'ailleurs, je vais me retirer cette barbichette. Mais en tout cas, pour la suite, n'hésitez pas à continuer à regarder cette série. Elle arrivera, la suite arrivera prochainement. Et même sur ma chaîne, attention. Et même sa chaîne de Kyo, quoi. Attention, je commence à récupérer du retard que j'avais. Bon. Allez à vous abonner à la chaîne de Favali, regardez ces let's play qui sont quand même assez sympas, faut bien quand même l'avouer. Oui. Merci, c'est sympa. La Sibérie, qui est vraiment pas mal aussi, 5 000 hommes. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue, la Sibérie, L'Empire de gros. Sibérie. Ah, c'est un empire carrément. Oh mon Dieu. La première fois que je vois un empire de Sibérie. Et ouais, ça arrive pas souvent. Dans le prochain épisode, bon, il y aura de la conversion à faire. Il y aura sûrement beaucoup de paysans. Sûrement beaucoup de paysans, ouais. Bon, on verra, hein. On continuera de prendre la Bulgarie, la Valachie, de mon côté, ce genre de truc. Se refaire un minimum de terrain quand même, pour partir en guerre contre les Abbassides, pour avoir Alexandrie, Alexandra, le royaume d'Égypte. Et une fois qu'on aura le royaume d'Égypte, on sera quand même pas mal, mine de rien. Ouais, alors c'est vraiment pas mal. Des bisous à vous et à la prochaine. Ciao! Au revoir.